Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne F1CS. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir pour la course de Ligue B en Grande-Bretagne à Silverstone. Je suis en compagnie de Los Daminos. Bonsoir Los Daminos. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ici Pepito de la Vega, enchanté de vous rencontrer. Alors, ouais. D'où venez-vous, mon cher Pepito de la Vega? Moi, je viens de Lisbonne. Je viens d'une banlieue du Portugal, tu vois. Et je suis l'ancien voisin de Roberto. Et voilà. Voilà, Roberto, vous ne le connaissez pas sous ce nom-là chez FNCS, mais c'est FNCS Nebu. Nebu, c'est Roberto. Voilà. Enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est Pepito. Et Nebu qui est toujours actuellement au stand. En parlant de lui, nous allons passer donc à Frandaron. Eh bien, tu sais, en fait, nous avons, il y a, en 1987, nous avons pris la caravelle pour venir ici en Europe, pour venir courir, notamment chez FNCS avec la Toro Rosso. Voilà. Et tout ça dans la caravelle? Ah, mais bien sûr, la caravelle, il a moult, moult place, mon cher Coyote, moult, moult place. On sait faire beaucoup de choses dans la caravelle. Hein. Ah, vous êtes un peu les Roumains, quoi, de l'Ouest, quoi, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, il y avait Virginie, on lui fait des bonjours, qui nous dit, voilà, un témoignage d'amour qu'elle nous dit, elle lance une trouelle, voilà. Merci beaucoup, Virginie. Voilà, je te remercie beaucoup, voilà. Merci, Virginie, bonsoir. Dieu de la truelle te le rendra. Au madre de Dios. Bonsoir, Valad. Salut, Valad. Bonsoir à tous, bienvenue parmi nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. En tout cas ce soir, ça promet d'être assez rapide, dans le sens où on a des pilotes qui se sont entraînés comme des diables durant la semaine. Alors espérons que ça va se retranscrire ce soir. En tout cas, Silverstone est un circuit très très agréable à commenter et à visionner. Et on a Ismaël le Gamer qui ouvre donc le premier temps avec une 30-792, suivi de Speedigus, une 30-942. Tapis Virgla prend la tête en une 30-667 à l'instant. Kaysar 6, une 31-900. Issam Messi, une 31-693. Voici donc les premiers temps arrivés. Mad Algérien, une 28-518 en médium qui commence direct à taper fort. Eh ben, il y a Valad qui nous dit qu'il y a quelques lags sur le live, Coyote. Il y a quelques lags. Ouais, ben, j'espère que ça va se régler. Eh ben, apparemment, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Je sais pas non plus. Oh là là. Je ne suis pas au courant du tout. Vous ne savez pas tout, vous. Bon, est-ce que... malheureusement. Scandaleux ça, donc on le voit ici, 20 pilotes au départ de cette course, hein, majorité de la Ligue D, juste Irvio et notre ami, où est-ce qu'il est maintenant, Issam Messi qui remplace ce soir, des mini-freeze aussi, bonsoir à Idi F1, bonsoir à Vibronapo, évidemment, Vibronapo, on ne pourrait pas passer à côté, évidemment. Je suis sur le retour du live, je n'ai zéro lag pour le moment. Essaye de recharger ta page, Valade. Ah, ça va chez vous, mon cher Dragovic, eh bien bonsoir, ben, au revoir. Pardonnez-moi, donc je suis resté un peu bloqué sur la Mercedes. On va tout de suite changer un petit peu les choses. On va se mettre sur Bébert, une 31-760 avec des médiums. Kaysar 6, une 31-900, je crois qu'il n'a pas amélioré. El Polo avec la Alfa Romeo, une 32-853 et Léo, une 34-828 à bord de la McLaren. Oui, c'est ça, donc...
Apsiris, la Ferrari. Ouh, il a loupé. Il s'est retrouvé dans le bac à gravier. Absolument. Vettel. Mais non, il n'y a pas de Vettel, Dragovic. Restez calme, restez calme. Tu l'as vu spinner? Non. Ah non. On ne l'a pas Allez. encore vu spinner, non. On est donc sur la mythe de la Trouelle. Ah bah oui, l'ami de la Trouelle, alors lui, c'est le master, le grand master flash de la Trouelle. Alors je précise à Coyote, notre ami Roberto, il a utilisé du pilon avant le début de la course. Du pilon. Oui, il s'est fait un petit cocktail pour se détendre. Ah, je suis pas sûr que se mettre une mine c'était une bonne idée, mais bon, espérons que ça lui apporte Écoutez, bonheur. il a dit que manier le pilon, c'était son anti-stress. Donc voilà, moi il a laissé faire. Voilà, il ne sait pas ce que son manager Virginie en pense, mais voilà, c'est la technique de la trouelle. D'accord. Bah, On soit. pilonne le citron vert pour se détendre. Voilà, c'est voilà. Voilà, c'est incroyable, Bon, bah, je crois que mais ouais. Virginie, tu as des choses à remettre en place dans ton équipe, parce qu'apparemment, il y a du laisser aller. Et on arrive. Des pilons de poulet, non, je ne crois pas qu'il parlait de ça. Hein. Mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça, voilà. Évidemment, oui. Évidemment. Oui. Donc, Là, Nébuyen là, pour Hard, ça le met la... quatrième temps, 1:37:116. Bien joué. Ouais, joli chrono. Hein. Deuxième temps hard pour l'instant, derrière Spiligus qui a quand même fait un gros temps. Hein. 1:30.2, c'est rapide en hard. Hein. C'est très C'est très rapide. rapide. C'est très rapide en Ouais. hard. Et on a Mad Algérien qui est largement en tête là. Hein. 1:28 en soft. En médium, pardon. Oh là là. Je me suis permis de filmer un peu la Ferrari de Necro. Ah ben, vas-y, je t'en prie. Je suis Il est sur dans tapis son verglas en secteur ce 1. moment qui est au stand. Là maintenant, je suis parti sur Ismaël qui en fait, ben, il tend la pelouse, Ismaël. Hein. Bonsoir Bobby. Bonsoir Bobby, bienvenue. Alors, il est au ralenti là, Ismaël pour l'instant. Frandaron qui est 6e, Fireghost 7, Kalem 8. 9e, il semble. Oula, Ismaël, il est encore de nouveau dans l'herbe. Bah écoute, ça va et toi? Ça va et toi, Bobby? Oula, Ismaël, il fait des choses un petit peu bizarres avec sa McLaren là. Alors, Issam Messi, on va quand même pas l'oublier, mon cher Coyote, il est quand même pour l'instant en lice pour être champion en Ligue C. Hein. Il va se battre avec Jatael pour la course, enfin, pour le titre sur la dernière course en Allemagne. Et Donc, c'est je une serais quand même 31 pour curieux de Nécro. voir, je serais quand même curieux de voir ce qu'il va faire ce soir. Honnêtement, ça va être un bon indicatif pour la deuxième partie de saison. Aïssa Messi à très très grand niveau. Il y a... Ah, MT qui loupe, malheureusement. Une 27-9 pour moi d'Algérien, rendez-vous compte. Ah, il a encore amélioré. Et pas bah, donc. Une 27-9 en essai, et même pas en rouge. Ouais, non, c'est énorme. Hein, là, c'est du très très gros temps. Hein. Ouais. Là, il est en train d'assommer la concurrence. Et Fire Ghost qui se met juste derrière, une 30.1. En Bon, médium il est quand même. également, mais il est quand même assez loin de Mad Algérien. Ouais. Putain, mode algérien, il tourne sur un rythme, c'est un délire. Hein, genre, obtenu une.
Ah, Roberto, Roberto, Roberto. Vous êtes sur le chat, Roberto, c'est bien. Bonsoir à Reapers qui nous dit hashtag Team Frandaron. Eh bien, sois le bienvenu. Bienvenue à toi, Frandaron, qui est en tour. On va pouvoir se mettre sur lui sur la deuxième Renault. Ouais. Alors, notre ami Issam qui se met 7e en 1:30 794. Quand même. Juste devant Weber. Après 5 5 minutes. tours ou c'est des pneus neufs? Eh ben Parce que écoute, c'est j'ai pas mal là. pas j'ai l'impression qu'il enchaîne des tours, hein. Calem dans le tapis bien là, qui vient de passer à 1:36,67, si je ne m'abuse. Ouais, en hard. Ouais, il l'a fait en hard son temps. On n'a pas corvé de temps pour Quest et pour MT. Ils sont très très loin. Une 38 pour MT. Quest n'a pas encore de chrono. Pas oublier que le titre peut se jouer ce soir, hein, pour Quest. Quest qui est à la lutte avec Mad Algérien. S'il gagne, il est champion. S'il ne gagne pas et que Mad Algérien MT est passé prend deuxième des. en 1:29,623. Ouais. Si Mad Algérien gagne, bah, il peut encore entretenir un mince espoir de titre pilote. Il aura vraiment été incroyable sur cette deuxième partie de mi-saison. À partir de Monaco, il a commencé à dérouiller Mad Algérien. Complètement. Ça Complètement, a il a eu été un cap de, il a eu un cap de niveau assez impressionnant. ouais, assez impressionnant et assez et surtout rapidement, dans un délai assez incroyable. Et il paraît que c'est grâce à vous, mon cher Coyote, donc il faut rendre à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Grâce à moi, son talent, il l'a trouvé tout seul là. Je n'y suis pour Ah rien oui. dans son talent. Oui, mais bon, il me paraît que vos setups ont bien aidé, hein, mais bon. Allez, l'abandon, Nécro. Qu'est-ce qui nous a fait le petit Nécro? Alors, très bonne question. Ça va être difficile de le voir. Je l'ai vu. Il est dans le secteur 2. Alors, les deux, Williams, Colgate Racing. Alors, El Il Polo qui était sur le abandonne côté. aussi. Je peux pas te dire ce qui s'est arrivé. 5 places de pénalité pour collision avec El Polo avec Jumpo. Eh ben, bravo! Eh ben voilà. Bravo messieurs. Ça c'est bien joué. Ouais, c'est des choses qui font toujours plaisir. Je connais deux alphas qui vont partir hors du top 10. S'ils se mettent pas des coups de couteau avant. Ouais, c'est pas faux ça. Ça tombe, ils prendront même pas le départ. Quelques abandons, là, j'ai pas trop compris ce qu'ils ont foutu là en essai. Ah, ça va très très vite à Magotte, la chapelle. Ouais. Alors c'est pas Maggots La Chapelle, c'est Maggots Beckett's Chapelle. Oui, mais t'as compris que c'était dans la longévité, quoi. Bref, tu Ouais. cherches pas la petite bête. Pardon, C'est une. Vous êtes taquin, monsieur. taquin, moi, mais pas du tout. Pas du tout, je n'oserais pas. Si, senior. Alors, j'ai vu quelque chose bouger. Je pense que c'est Tapi Vergla qui vient de passer son tour en 1:30,032. Ouais, tout à fait. Ah, lui aussi, hein, lui, une belle performance ce soir, ça lui ferait du bien. Il n'a pas vraiment eu de chance dans ses courses depuis qu'il est arrivé, le pauvre Tapi Vergla. Merci, notre cher Vivi, pour son intervention. Nébu deuxième, 1:29,560. Ouais, bien bien joué. Ah ouais.
Espérons qu'il transforme ça durant la course. Ça serait bien. Oui. Il le met... Ça fait un moment que. Il joue de malchance lui aussi. Salut Féroda, sois le bienvenu. Comment tu vas? Salut Féroda. Alors qu'il reste 13 minutes d'essai. Les premiers commencent à sortir les roues. On a Irvio. Qui est plus en phase de test. Mais on va voir les premiers chronos enragés qui vont sortir. Ouais, même si je pense qu'il faudra quand même attendre les qualifs pour vraiment voir. Mais là, je sais pas combien il va sortir le mal algérien comment ça s'appelle? En qualification, pardon. Mais ça risque d'être très très gros temps. À mon avis, vu son rythme, il va pas être loin des 1.26.9 à mon avis. Là, il est en 1.27.9 en jaune, enfin en médium, imagine-toi, c'est énorme. Kalem qui est trop rapide et toujours en hard pour Kalem. C'est une bonne question ça, Vivi. Si quelqu'un peut nous renseigner sur la météo qui est en course. Qui est prévu en course actuellement, ça serait bien. Bah, ça démarre par du nuageux, c'est sûr. Donc il n'y a pas de pluie prévue apparemment, d'après tapis verglas. Entendu. Donc il sera sur son tapis volant, mais sous le sec. Eh ouais. Désolé, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Aïe aïe aïe! Ouh là 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 là! Catastrophe là pour Kalem, là qui est sorti très très mal de la chapelle et qui a failli engloutir Apsiris. Ah bah le pauvre. C'était. Ouais. Là c'était. Ça a failli tourner au drame. Plus de peur que de mal. Je m'excuse mon cher tapis verglas, je suis vraiment désolé. Voilà. Toutes mes excuses. Tandis que Fire Ghost en piste, on a Mad Algérien aussi, mais qui rentre lui par contre. Algérien qui est toujours en médium, je pense qu'il va nous sortir les softs dans très très peu de temps. Nibu qui n'améliore pas. Attention à Kalem là, il a une Red Bull là juste derrière. Ah oui, et les Red Bull qui se montrent, commencent à se montrer. Quest, troisième temps pour Quest. GG Quest. En hard en plus, hein. Très très bon temps en hard, hein. En hard. Ouais. Ah oui, 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 oui. Là, on salue la performance. Ah, clairement. C'est joli. Ouais. Très très gros temps. Fire Ghost deuxième temps, 1.28.705 en médium. Ouais. GG Fire Ghost. Ça commence par les échecs chez les chronos là. C'est exactement ça. On rentre dans les phases des gros temps là. Airview qui est loin, 1.32.095 en rouge. Oui, très très loin. Oui. Et bonsoir aux 31 spectateurs qui nous regardent actuellement et merci à vous d'être là. Bonsoir à vous, n'hésitez pas à nous follow si le contenu vous plaît. Si vous voulez des courses toutes les semaines, vous pouvez compter sur nous. Ah bah il y en a même deux par semaine, donc j'ai envie de te dire trois parfois. Qui rentre alors qu'il reste un peu plus de 8 minutes dans cette session d'essai libre. Oula Quest. Quest. La caméra l'a perdu. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il a abandonné? Oula. On a une réapparition
du pilote Quest, de la Red Bull. Elle avait disparu du champ de vision. MT qui est en tour lancé également. Alors là, il rentre, il va finir son secteur 1. Non, d'accord. Je le voyais plus loin. Il améliore, MT améliore pour le moment de 1 dixième. Ça serait peut-être suffisant pour passer devant Roberto. Ah, il est large, il est très large à mon avis. Ça a dû être annulé. Ouais, c'est un autour annulé, ça. Beaucoup trop large là. Il risque d'avoir des pénaux aussi ce soir. Oui. En plus, nous sommes en sévère. Silverstone ne pardonne pas hein, sur certaines parcelles. Ouais, c'est clair. Alors qu'il y en a d'autres, par contre, qui sont un peu plus clémentes. Fandaron qui passe Bébert, donc 1.30183. Ouais. Fandaron aussi en hein, deuxième partie de saison pour l'instant, vraiment pas au niveau de la première. Il a du mal, hein, Fandaron à aller chercher des performances ou modal, une 27-3. Une 27-3. Ouais, en soft, tapis verglas, une 28-914, tandis que MT, lui, est reparti pour un tour lancé. En espérant que ça se passe mieux cette fois-ci. Ouais, il n'y a plus qu'à espérer, hein. Attention, est-ce que ça va passer? Oui, c'est largement mieux. C'est très large. Mais ça ne devrait pas être une sortie de piste. Il améliore de une demi-seconde, 0,515 dans le deuxième secteur. Et ça lui donne le quatrième temps, 1.28.877. Eh Quest oui. Qui reste en hard. On ne le voit pas passer d'autres gommes. Et puis vers la rentre. Nebu qui est en soft. Et pour le moment, il n'améliore pas même, il est en retard. Ouais, effectivement. 3 dixièmes de gagné dans le premier secteur. Non, je sais pas, ça peut être un bug avant. McLaren de Ismaël, je crois qui spin. Non, c'est pas Ismaël, c'est Léo. Oh là. Il est loin, il est loin. Il reste dans ses temps là, début. Moins 4 dixièmes. Presque 0,5. Ouais, il est clairement loin là pour l'instant. Et il rentre au stand ou quoi? Non, il a. J'ai pas compris là, pourquoi t'as fait ça, Nebu.
sur mon tour annulé précédemment sans qu'on puisse le voir. Il y a un apo qui nous demande si tout le monde a mis sa télémétrie. Je regarde ça. Apparemment, nous avons une télémétrie complète, mon cher Napo. Il semblerait que la télémétrie fonctionne. Incroyable. C'est merveilleux. Bébert qui est bien, hein, le coéquipier de Roberto. J'en ai juste 4 qui me met des points d'interrogation, mais c'est parce qu'ils sont... En abandon. En abandon. Tandis que la Renault de Yovio va finir le secteur 2. Où est-ce qu'il en est? Et il améliore pas, il est à une seconde en retard là, une seconde deux. Ouais, il est loin là, il revient pour l'instant. Ça va être, ça semble être une course compliquée pour lui ce soir. Alors Léo, lui, il tombe le gazon, non, il laisse passer, ok. Sûrement qu'il économise son pneu. Ouais, ça doit être son tour de sortie, il doit économiser ses pneus. Kézar 6 sort, on a les derniers qui sortent. Ah bah là, Kézar 6, tu feras plus de temps. C'est trop tard. Ouais, il revient au savoir pas. Hein. Tapis Virgla qui sort. Il sait où. Mec, il va lancer son tour. Okay. Et ben, on va se mettre sur tapis vert là et on va voir ce que ça donne. Alors, en attendant, on va bientôt terminer ces essais. On va pouvoir passer au premier run de qualif. Les choses sérieuses vont commencer pour tout le monde. Exactement. Enfin un peu de piment. Ouais, tout à fait. Intéressant quand même les classements. Speedigus deuxième derrière Madal, troisième Fire Ghost, quatrième Bébert pour l'instant, Quest 5, sixième MT, septième Tapi, huitième Kalem, neuvième Nebu et Ismaël qui forme le top 10 pour l'instant. Il a pris un petit peu le taureau par les cornes, j'ai l'impression, Ismaël, depuis une ou deux courses là. Oh là 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 là, attention, Irvio. Et et la Force India de Keza qui se touche. Alors là, j'étais sur tapis verglas durant son tour. Keza, si ça finit son tour. Ouais, donc c'est peut-être l'IA qui l'a percuté en fait. C'est ce que j'étais en train de penser. Et il améliore de presque 2 dixièmes, tapis vergla, 1.28.914. Pour un run en soft. Fire Ghost qui est en retard, qui n'améliorera pas, ou alors est-ce un bug peut-être?
Il a déjà fait un tour en soft, il est en 1,28 sur 36. Il n'améliore pas. Ah ah, là par contre on a eu une amélioration de... Issam Messi, je pense, non? Non, peut-être Quest, non? Si, si, non, c'est Issam Messi, ouais. Issam Messi en médium, qui s'est mis 8ème, juste devant Kalem et Nebu, et qui a éjecté Ismaël hors du top 10. Ouais, c'est bien ça. Alors, je comprends pas pourquoi ça passe pas la session. Hein. Parce qu'il y a Irvio. Ah oui, 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 pardon. Voilà. Voilà, c'est bon. On est parti. Pour la qualif, mon cher Coyote. Exactement, on passe enfin aux choses sérieuses. Enfin, un peu de palpitations. Ah ben, vous avez ici le tableau hein, des chronos. Avec l'ensemble des protagonistes attendus dans la feuille, dans le haut de la feuille des temps, on va dire. On va pas se mentir. Speedigus aussi, ça lui ferait du bien de faire un résultat ce soir, parce qu'il reste aussi sur une quelques courses décevantes là quand même. Hein. Bon, il y a beaucoup de pilotes méritants hein, dans cette ligue. Ouais. Clairement, il a pas eu de chance le Gus depuis depuis quelques courses. C'est dommage hein, parce qu'il a du rythme. Tout à fait. Salut, hashtag Wilt. Bonsoir à toi. Alors, la qualif. On est parti, mon cher Coyote. Exactement. Enfin, quelque chose qui fait plaisir. On va attendre. Un petit pronostic, mon cher. Ouh, bah, un mat algérien, quand même. Hein. Je vais pas le cacher. Hein. Vu la prestation en essai qu'il nous a fait. Je le vois mal partir en dehors du top 10 et même oui. En pole. On a vu que Quest avec des hards était capable de faire des temps complètement incroyables. Donc une petite pièce sur Quest hein, quand même. Hein. Et le troisième, bonne question. Ça va être la bonne surprise parce que là je ne vois pas. Vu que les temps étaient très serrés après. Puis Vergla qui a abandonné la session. Je vois ça. Une sanction était... peut-être. Ah oui, il était peut-être suspendu de qualif. Ah bah oui, c'est pas l'histoire avec les drapeaux bleus là. C'était pas Kesarxi, c'est lui en Autriche. Si, tout à fait. Le retour de la mémoire. La mémoire me revient. Dans mes vieilles cellules. Tu mais vois, c'était pas pour les drapeaux bleus. C'était ah. Pour, c'était pour une gêne autre. Okay. Le voilà. Détail, je m'en souviens pas, mais c'était autre chose. Parce que le drapeau bleu, c'est pas sanctionné de qualification. Vous devriez le savoir, Los Damidos. Ah, si, señor. Mais. Que mon cerveau et mes neurones me fassent quelques peu défauts. Bah. Oui, il a pris des mauvais pneus au départ, voilà, c'est ça. Exactement, tout à fait. Et Mad Algérien qui passe devant. Donc, on va se mettre sur Mad Algérien, vu que ça va être le premier à nous offrir un temps. Ouais, Fire Ghost juste derrière. Hein. Je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la radio chez Merco? Une question, je ne suis pas occupé. Yep, on n'a plus. Peut-être Spadja alors, je sais pas. Les deux Mercos qui suivent, Fergus qui profite de l'aspi. Ce qui risque de promettre des gros temps chez Mercedes. Yep.
au modèle là, il tourne sur un rythme quand même, c'est ouf. Hein. Ouais, c'est très très rapide. C'est fait avec plaisir, mon cher Spaghetti. Et voilà, une 26-758 pour Mad Algérien, suivi de Fire Ghost, une 27-208. Ça pose déjà des gros, gros temps. Bébert, une 27-847. Léo, une 29. Une 29-290, ça va le faire sortir. Ouh, hein, ça... et Speedigus qui s'est mis... Deuxième, une 27-183. Ouais. La Williams. Bah, il a l'air en forme, le Speedigus. Ismaël, 5ème, 1.28.786. Crossmax en médium, 1.28.606. Joli. La Force India qu'on n'attendait pas. C'était beau chrono. Et attention parce que MT est sorti bien. Speedigus disqualifié de la séance, contresens. Oh non. Mais il faisait 2ème, quoi. Mais Speedigus disqualifié. Oh là là, mais c'est pas possible. Il était deuxième, Speedigus. Qu'est-ce qu'il a fait, Speedigus? Du contresens. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive, hein, en plus. Hein. Aïe, 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 mais quel malheur. Oh non, mais il était deuxième, quoi. Oh là là, pour l'instant. Oh là, et Absiris, il est parti loin, là. On a Quest qui arrive, qui est dans le secteur 3. Oh là là, d'après Dragovic, il a spin et il s'est fait instant disqualifié par le jeu. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, il a pas de chance, hein, Speedigus. C'est à... Là, pour l'instant, c'est grave. Genre, Une 26-856 pour Quest. Ouais, très très joli. Un énorme temps. Il est à 1 dixième de Mad Algérien. C'est parfait, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Bravo, bravo Quest. Issam Messi. Merci à toi, Nécro. Avion de ligne, pour ton follow. Merci, avion de ligne. Nécro 4ème, 1.27.633. Ça le pose 4ème. Mmh. Ça se rapproche. Issam Messi s'est posé 6ème actuellement, 1.27.848. Et il est loin quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti? On a Nebu qui est en tour. Qui lance son tour lancé. Quand tu regardes, le meilleur de l'XC à l'heure actuelle est à une seconde du meilleur de Ligue B. Comme quoi les ligues ne sont pas si mal réparties que ça. C'est clair. Ouh, Nebu, la catastrophe, ça a décroché. Ça a décroché à la chapelle, c'était fini. Y a plus qu'à tout recommencer. Ouais, il doit tout recommencer là, Nebu. Oh là 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 là. Et Jumposki bug. C'est ce que j'ai cru comprendre en le voyant quitter la session. Kézar 6. Tour lancé également. Ouais, intéressant de voir ce qu'il va faire, hein, Kézar. Racing Point qui a besoin de points. Et qui a les moyens d'en marquer là ce soir, hein, avec Crossmax et Kézar. Clairement. Ceci, hein, qui est un beau line-up, hein, faut quand même pas l'oublier non plus. Oula, ça passe par bien. Non, c'est maîtrisé. Il a l'air de cafouiller un peu dans ses vitesses quand même. Ouais, oui, là le dernier, là ça a été un peu laborieux.
mon cher Fever, bonsoir à vous, mais là vous m'en demandez un petit peu trop. Hein. Je ne sais plus bon. Quel a été le temps de la Polandais en qualif, je pense que c'était une 27-2, un truc comme ça. Une 27-9, je sais plus maintenant. Une 27-2, je crois. C'est ça, non? Bonne question. Je sais plus, Fever, confirme-moi ou infirme-moi, je sais plus. C'était une 27 quelque chose, il me semble. Mal algérien, de nouveau en tour lancé avec Fire Ghost. J'imagine que la stratégie n'est toujours pas inversée. Ah voilà, une 27-1, donc ouais, ils sont à 5 secondes, 5 dixièmes plus rapide. Alors Jumpos qui est de retour, est-ce qu'il va enfin pouvoir faire un tour? Grand Daron, non, il n'est pas en tour lancé. Il a dû sortir à l'instant. Micro sort, Bébert sort. Crossmax, lui, qui est en tour lancé actuellement. Il revient au 8ème. Il revient au 8ème, GG. Une 27-942. Une 27-942, ouais. Bébert qui quitte la session. Attention. Il y a des petits problèmes pour certaines personnes. Une 26-670 pour Mad Algérien. Il améliore. Est-ce que Crossmax arrive? Il est 9ème, une 28-011. Ça va être limite pour rester dans le top 10, ça, je pense. Apsi qui n'a toujours pas fait de chrono, hein. Ça c'est étrange aussi. Bah Apsi, là il est sorti, hein. Il est en tout chrono. Hein. Oh, d'accord. Il arrive, il est dans le secteur 3. C'est Coyote, c'est pas déjà. Salut, c'est pas déjà. Une 28-071, ça le place 10ème actuellement, Apsiris. Alors, on a Jumpos, Nebu qui sont aussi en piste. MT qui est en tour lancé, là, qui est au secteur 2. Ça passe bien. Ouais. Apsi, une 28-071, il est loin, Apsi. Oh, oh. Ça a très bien ressorti là pour MT. Une seconde 4 pour le champion en titre de Ligue B quand même. La quest qui l'aide pour un peu d'aspi. Est-ce que ça va payer? 4ème, une 27-291, GGMT, 8 ça paye. Joli. Tandis que Necro vient de passer une 27-529. Frandaron qui est là aussi, hein, 6ème, une 27-579. Exact. On a Kikézar 6, il est en tour lancé. On doit avoir Jumpos aussi également. Nebu qui est juste devant. Ah, Issam 5ème, joli. GG Issam, 27-371, bravo. Et tandis qu'on voit Nebu avec Jumpos qui le suit derrière. Ouh, c'est rentré un peu brusque à l'intérieur. C'est un peu mordu l'herbe.
manque de RS. Ça le place 12e, 1:28.427. MT a abandonné la session. Jump pose, 6e, 1:27.405. Ouais, mais il faut pas oublier qu'il a 5 secondes de pénal. Hein. 5 places. Ouais. Ce qui le place maintenant qu'il est 6e, donc 11e. C'est Issam Messi qui a dû passer devant à 1:27.371. Oh non, c'est pas Issam Messi. Non, il était déjà là. Ouais. Il est passé devant Necro. C'est Necro qui a descendu de 2 places. D'accord. Il rentre. Qu'est-ce au stand? Les deux Renault dans le top 10, hein, c'est pas mal. Tout à fait. C'est important pour eux par rapport à la lutte avec Toro Rosso pour les pour le constructeur et avec Ferrari également. Renault, hein, qui ont aussi un line-up des plus efficaces. Ouais, en fait c'est un peu en dents de scie. Hein. Soit il te faut une grosse performance sur une ligue et les trois à côté ils font rien. C'est pas vraiment homogène en termes de performance. C'est des hauts et des bas en fait. Tu regardes le classement, c'est souvent une ou deux ligues sur quatre qui marquent les points et les deux autres c'est boum patatras en fait. Y a rien. Y a pas de points à la clé. C'est dommage. En D par exemple avec Mitsu, Renault ça fonctionne bien par exemple. Ouais, Mitsu, il a pris beaucoup de level. Hein. Ouais, il tabasse. Hein. Ah ouais, depuis entre sa première course et maintenant, c'est plus le même homme. Ouais, clairement. On va voir les derniers chronos. Il y a du monde sur la piste. El Polo qui améliore d'une demi-seconde. Ça suffira pas. Moi, ça le fait placer 16e. Oui, ça suffit pas pour améliorer ses places. Et on espère quand même que Kalem va pouvoir revenir dans la partie parce que là ce serait dommage de devoir faire un restart alors que bon voilà. Oh là là, mais les gens avec leur connexion Weber qui quitte maintenant, qu'est-ce qui se passe de nouveau, c'est pas possible quoi. Ils doivent se dépêcher parce qu'il reste que 49 secondes. Kalem a rejoint. Faut qu'ils arrêtent de quitter, partir, revenir. Ça, c'est juste pas possible. Hein. Ça va pas quoi. Genre. S'il te plaît. Allez, recôtoie pour l'amour du ciel. Mad Algérien, 1:26.547, encore une amélioration. Ouais. Il est dans la partie Weber. Allez, il doit rejoindre là. Vite.
Star abandonné. Est-ce que tu as vu Bébé revenir dans la session Pas pour le moment. Quest qui abandonne. Qui avance son tour. Il doit se dépêcher là, Bébé. Vite, vite, vite. Il n'y a pas le temps de traîner là. Oh, sérieusement, les décos à. Oh ouais, non. Il est de nouveau déconnecté. Mais c'est une catastrophe, Bébé, aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est. C'est une catastrophe. Je sais pas ce qu'il a. Aucune idée. Ouais, il reviendra pas à temps. Il reviendra pas à temps. Dès qu'il se met à l'étostone, ça va passer la session. Tout à fait. En tout cas, la pole pour Mad Algérien, c'est sûr. Félicitations à lui. Devant Quest et Fire Ghost. Et MT, les deux Mercedes et les deux Red Bull sur les deux premières lignes. Oh, il est là. Ah, t'as transpiré là. Ah bah là, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'il dit qu'il va encore rester dans les 3 minutes et qu'il va pas sortir d'écho, hein, bon. Hein. C'est incroyable. Belle performance de nos gars. Moi, je vais prendre la grille, hein. Ouais, bah moi aussi, hein. Une 26-547 pour Mad Algérien, Quest deuxième. Une 26-856. Une 27-162 pour Fire Ghost pour le top 3. Ouais, donc MT qui partira quatrième, Abseris et Issam partageront la troisième ligne, septième Frandaron accompagné de Jumpose. Jimmy qui va perdre 5 places. Ouais, donc neuvième Necro, dixième Irvio, onzième Crossmax, douzième Keza, treizième Beber, quatorzième Ismaël, quinzième Nebu, seizième Léo, dix-septième El Polo, dix-huitième Tapis Vergla. 19e, Kalem et Speedigus, les deux Williams qui se partageront la dernière ligne. Certains diront CRP. Bon, ça fait un peu bâtard, mais bon, dans l'absolu. J'ai pas osé. C'est pas tout à fait faux. Bon, voilà. Pas tout à fait faux. Ouais, voilà. Donc, même le membre illustre de Williams Dragovic qui plus soit ce que nous disons. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Alors, Issam qui a mis prêt. Ouais, il fallait bien que je dise un truc. Feu grand champion de Ligue B, tu vois. Ouais, voilà. Alors, on va partir pour cette course, si elle veut bien se lancer. Mmh. Parce que là, ça a l'air de tourner. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Si Quest gagne, effectivement, peu importe la place de Madal, il est champion. Ça ne se lance pas, ça m'inquiète. Ouais. Moi, je vois qu'il n'y a que Skizer 6 qui est prêt. C'est très inquiétant, en effet. Non. Ah. J'ai entendu quelqu'un démarrer. Moi, ouais, j'entends rien. Ah ouais, je vois des voitures au loin. Ils sont en train de faire du tour de chauffe. Attends, plein de choses qui se sont mis ok. Ouais, mais je crois que la partie est buggée. Hein. Ouais, mais attends. Oh là là, mais ce jeu. Allô ? Allô ? Ouais, les gars, la session elle est buggée. Il y a des gens qui sont restés sur la grille. Ok, ça va. On va devoir faire un restart, hein. À toute.
Bah ouais, on est reparti, hein. Oui, bah écoutez, en attendant, je vais couper le live, je vais vous mettre sur la page de garde. On revient le plus rapidement possible. Désolé pour ce petit contretemps. A tout de suite. Thank you.
Eh ben, rebonsoir à tous, excusez-nous pour ce léger contretemps, on a reformé la grille et nous voici sur le départ de la course de Grande-Bretagne à Silverstone de Ligue B. Et bonsoir tout le monde, ici Pepito, Pepito de la Vega. Quesarsis a quitté la session. Eh ben, il doit se dépêcher. Et en grande vitesse d'ailleurs. Et monsieur Quesarsis. Bonsoir Chris Paul, merci pour ton follow. Salut, merci pour le follow. Pour le moment, c'est le tour de chauffe. Pas grand chose à dire. Hein.
rejoint, mon ami. Il a rejoint. J'espère qu'il va pouvoir prendre le départ, parce que là où il est, si sa voiture ne bouge pas au départ, je crains un carambolage. On voit les deux Williams qui se mettent en place. Et c'est parti, alors, bonne course à tous. Ouais. Et c'est parti pour... Oula, il y a eu un gros bug avec Kaysar 6 qui est passé devant, mais comme une furie. Crossmax a abandonné la session. Ismaël, Speedigus. Voiture de sécurité virtuelle. Qu'est-ce qui s'est passé là derrière? Qu'est-ce qu'ils ont fait sérieusement? Bah, je crois que c'est Kaysar 6 qui est rentré dans tout le monde. Quoi? Bah, d'après les images, hein, après je peux pas te dire ce qui s'est vraiment passé. Hein. J'ai vu un Kaysar 6 rentrer dans les Red Bull et les Mercedes. Il est passé devant, il a ralenti, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas. Là c'était très très bizarre. Faut faire restart là, non? Parce que là il y a un problème quand même. C'est un gros bug là, ils y peuvent rien, hein, les gars. Hein. Allez. Bah oui, bah écoutez, ouais. Restart. C'est les Nick. Encore une fois, désolé à tout le public pour les désagréments. On espère que ça ne se reproduira pas dans les prochaines sessions. Excusez-nous. Thank you.
Thank you.
Eh ben, rebonsoir à tous. On est de retour. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne, parce que il y en a assez. Ouais, clairement. Ah, ça refroidit, hein. Ouais, bah écoute, on va attendre de voir si le départ va bien se passer sans El Polo, hein, parce que El Polo, il pourra pas revenir. Bah ici, il vient de rejoindre, là. Je pense pas qu'il pourra rouler. Calmez-vous, mon cher Faroda, ça va aller. Pas d'inquiétude. Salut, Scorpix. Salut, Scorpix. Et nous voici sur la grille de départ. Ouais, en espérant que ça parte, là. Puis advienne que pour un, hein, j'ai envie de te dire. C'est parti, les feux sont lancés. Désolé, attention, les feux sont éteints. Pour nous en tout cas. Et c'est parti, le départ est lancé. Un magnifique départ de la part de MT. Issam Messi qui gagne déjà une place. Ça vient très vite. Oula, ça sort pour la Mercedes et la Red Bull. Manœuvre Fire très, Ghost. Très musclé de Quest quand BBR même. BBR qui a déjà pris 5 secondes de pénalité pour une grave collision. Ça vient d'être passé là au deuxième départ, il n'y a pas l'air d'y avoir de mort. Fire Ghost a déjà perdu 3 places tandis que Yassir Messi en a gagné 2. Ouais. À bord de la As. Et MT est là également. MT, 3ème, pris un excellent départ. 4 places de prix pour Jumpose. Il attaque déjà Necro. Il est Necro là. Ouais, il attaque déjà Necro. Et attention parce qu'il y a Frondaron qui est aussi sur Fire. Ouh, c'est chaud. Ça sort pour Necro, ouais. Oh, jump pose. Ah ouais, là, il est énervé. Oh, là, c'était musclé quand même. Ouais, là, c'est de l'attaque agressive. Mais bon, c'est passé. C'est passé, en effet. Ismaël, 12ème. Siris qui va y aller sur Issam. Il est proche, il est devant les échappements. Ah, ça perd du terrain. Ouh, Quest qui est déjà à 3 dixièmes, 2 dixièmes de Madal. Ouh, attention là. Apsiris, ça aussi, hein, qui est loin maintenant. Ouais, tout à fait. Apsiris, MT, là, Issam Messi, Apsiris au cul, là, déjà. Les DRS ne sont pas encore activés à ce stade de la course. Et Madal qui est déjà parti, hein, il a 8 dixièmes d'avance déjà sur Quest. 9, il est parti, même, il en est déjà 9. Ouais. Ça avance, ça gratte. Issam Messi aussi qui a pris un excellent départ. Il est quatrième. Ça sort large. Ouais, il y a Faroda qui demande la télémétrie et les pneus, donc le compteur et tout. Je te mets ça
de suite, mon cher. Il se met à abandonner avec avec Kalem. Il y a dû avoir collision. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux là? Je ne sais pas. Parce que là, Bébert est loin derrière. Bébert est presque à l'arrêt. Très bizarre. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas vu. En tout cas. Ouh, Quest a cru gagner du terrain sur Mad Algérien. Il se rapproche. Ah, ils ont pris de l'avance là. Mais MT déjà, 2 secondes, 1 derrière. Ah, voiture de sécurité virtuelle. C'est pour ça que tout le monde ralentissait. J'ai pas fait attention. C'est fini. C'est fini, oui, c'est reparti. Ouais. Kalem a quitté. Ismaël a quitté également, je pense. Ouais, déjà 2 abandons, c'est dommage. Un incident, bon. Ça a rapproché toutes les voitures, ça. Et Kiesarxis qui revient bien là sur Irvio. On filme l'attaque. Cafouille dans ses vitesses, hein, Kiesarxis. Oh là là. Catastrophe. Ouais, en effet, je suis belge, mon cher Germain. Je suis belge. Je viens de la région de Mons. Necro, une 32-8 pour le moment, pour le meilleur temps. Ouais. La bataille la plus proche, c'est pour manquer Kiesarxis et Irvio. Crossmax qui arrache le meilleur temps pour une 32-228. Ouais. Attention, parce qu'il y a le petit train Absiris qui se rapproche bien de Issam Messi là. Fire Ghost qui est pas loin avec Ferron Daron qui suit derrière. Jump pose. Il y a un petit train là derrière Issam Messi qui n'arrive pas à rester collé à MT devant. Oh, ça attaque fort là, Absiris est menacé. Ça commence à se montrer dans les rétros. Fire Ghost, il doit faire attention parce qu'il a été loin là. Il a été très très loin là sur la piste. Nebu, 3 secondes de pénalité. Absiris s'est sorti un peu large. Il a mordu la terre. Et Jump pose qui est passé devant Frandaron. Joli. Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Je m'attendais pas à un jump pose sauvage. Ça y est, une 39. Top 3 classements, c'est Mad Algérien, Quest et Jump Pose. Les 3 premiers pour l'instant du classement. Ouh, alors attention à Psyris maintenant qui est très très proche là de Issam. Là, ça va aller au DRS. Ça va y aller. Petite perte de contrôle. Vite rattrapé. Fire Ghost derrière aussi. Alors, notre ami Absiris. Kiesarxis aussi, hein, qui attaque aussi. Il est très proche de Irvio. Mais ça n'a pas suffi. Il est très proche là, attention. Il y a Nebu là, juste derrière de Kiesar. Également, on a Roberto de la Vega. Oui, alors Quest qui est pas très très loin de Mad Algérien là pour l'instant. Ouais, surtout que là on rentre dans les zones DRS. Ouh, ça attaque Absiris là, oui, Fire Ghost est passé. Joli.
Et on a déjà Jumpus derrière qui klaxonne. Ouais. Ouais, il doit remonter la Fire Ghost. Hein. Il sait qu'il doit aller chercher Issam et MT. Il peut le faire. Oui. Il doit y aller. MT a quitté. Ouh, ça c'est mauvais pour lui, ça. Alors, mais attends, parce que là, il a relancé le jeu. Et effectivement, fantôme. Mais ça va lui faire perdre des places. Issam et s'il va passer. Alors, je l'ai réinvité. Speedy Gus, il passe sur Nebu. Qui passe. Issam Messi qui est passé. Devant MT. On va suivre derrière avec Fire Ghost direct. Ouais, et Fire Ghost qui passe également. Absiris qui arrive, qui suit. Allez, jump pause. Il a repris sa voiture, mais attention parce qu'il doit pas la reprendre n'importe comment non plus, parce que sinon ça risque de mal finir. Alors, ah, c'est pas lui qui décide, c'est le jeu. Il l'a repris, je pense. Et... Attends. Non, pas encore. Il est toujours en fantôme. Il y a Frandaron qui est passé. Il va le reprendre, ouais, je pense, bientôt dans la ligne droite. Là, ça y est, il a repris, ça y est, c'est lui. Il est 9ème, et attention là. Il a perdu, que... il a énormément perdu là. Aïe. Ouais. Ça fait très mal ça. Fire Ghost 4ème, il est déjà très proche de Issam. Il va pas le lâcher. Il y a un quest aussi qui lâche pas, Mad Algérien. Yep, la bataille pour les deux. Hein. Ah ouais, ouais, là, ils sont tous les deux là. Quest, il sait que s'il gagne, il est champion. Hein. Il est champion. Après, au vu de la saison, il le mérite hein, quand même. Ah oui, il est ultra régulier, il le mérite. Complètement. Voilà, Madal a été très très fort dans la deuxième partie de cette première saison. Après Monaco, il a été vraiment. Il a cherché sa victoire. Fire Ghost à l'attaque sur Issam. C'est pas encore le moment. Aïe. Non, dites-moi pas qui va tenter ici. Non. Mais par contre, on peut voir que Issam, il a du mal à gérer la pression. Hein. Ça sent que il est pas à l'aise. Oh là là, Fire Ghost, il le suit là, il le lâche pas. C'est un lion. Jump pose aussi, Yol. Juste derrière Absiris. Les deux, ils vont l'attaquer là. C'est étrange la tactique de Fire Ghost là. Il aurait dû remettre de l'ERS un petit peu plus tôt s'il avait voulu le reprendre à l'accélération. Et aucun des deux n'a réussi, hein. Ni Jump Pose ni Fire Ghost. Frandaron, très très proche là. Et lui aussi, hein, il est dans les échappements de Jump Pose. Je sais pas ce qu'il a pas envie de sortir là, mais attention parce qu'il y a Absiris derrière qui klaxonne aussi. Irvio aussi hein, qui est menacé là par Kézarsis. Ouais. Mais qui est lui-même menacé par Speedy Gus, hein, faut pas l'oublier. Oh et ça non, ça j'avais pas vu. Ah ouais, ça j'avais pas vu. Eh oui mon cher ami, eh oui. Attention là, parce que Fire Ghost il va devoir tenter quelque chose là sur Issam. C'est maintenant ou jamais. No and always. Et ça passe. Ça y va. Il y va. Il est passé. Et derrière, il n'y a rien eu. C'est le seul qui est passé pour le moment pour avoir la troisième place. Bataille Quest Madal, effectivement, là devant. Oh, les deux, ils vont pas se lâcher de tout. Ah non, là ça va être une bataille féroce là. Il y a Necro qui est passé sur Frandaron. Et Frandaron qui repasse aussi. Non, Madalgérien, 3 secondes de pénalité. Ouais. Il a perdu sa première place provisoire et Quest au DRS. Est-ce qu'il va Quest au DRS, il passe. Oh, ça se défend. Oui, c'est joli. Quest, il laisse pas beaucoup de place quand même. Hein. Non, là c'est musclé, hein. Ça veut pas laisser. Hein. Là, il veut sa victoire, hein. Il sait qu'il peut être champion là. En plus, Mad Algérien va te prendre 3 secondes, c'est très mauvais ça. Ouais, maintenant la course est encore longue, hein, mon cher Coyote. Oh, c'est pas fini.
MT hein, qui a beaucoup perdu. Jumpo, ce qui est passé sur Absi, il est en train de passer. Et il passe. Ouais, joli. Sans il DRS. Passe sans DRS, oui. Mais attention, parce qu'il va se refaire redépasser là au DRS, justement. Absiris, ouais, sur l'extérieur. Il a l'avantage sur l'intérieur. Ouais, ça reprend pour Absiris qui reprend son avantage. Incroyable. Joli. Très, très joli, ça. Oh là là, la bataille. Mais il dit pas son dernier mot. Ouais, en effet. Alors, la bataille là derrière également, il y a Keza qui est toujours derrière Irvio et Pidigus au cul avec Nebu qui est 13ème, qui a sorti la trouelle là, il faut mettre les voiles là. J'ai l'impression que Absiris est mieux sorti, que le DRS ça suffira pas pour Jump Pose là. C'est pas encore le moment. Non, ça passera pas. Ouais, je vois un premier arrêt au stand pour Mad Algérien, Fire Ghost qui s'arrête. Fire Ghost et Mad Algérien en même temps. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Et ça a l'air de passer. Oh là 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 là. Oh là là, les deux en même temps là. Il fallait oser. Hein. Oh, Issam qui est ressorti devant Fire Ghost au stand. Il peut tout recommencer, Fire Ghost. Bah, il aurait dû s'arrêter après. Hein. Ouais, là c'était trop tôt pour lui. Il fallait faire un choix là. Salut, Frandaron, 3 secondes. Kenarcy sur Irvio. Il a mis des jaunes. Maintenant, Madal, il doit passer. Ah ben Madal, c'est ce qu'il il fait, s'arrête. Il a le champ libre, c'est ce qu'il fait, il trace. Ouais, oh, attention la caisse Arxis Sirvio. Et là ça va les faire sortir dans le trafic, c'est pas une bonne idée hein, ce qu'ils ont eu là. Bah c'est surtout l'arrêt. C'était pas l'idée Speedy du siècle. Enfin. Est-ce que ça va suffire pour Speedigus pour attaquer? J'ai bien l'impression. Non. Ouh, il fait l'intérieur. Ça va jouer au frein. Ça passe pas. Ça passe pas. Eh oui, vous ne passerez pas, il a dit Gandalf. Eh ben voilà, Speedigus, il a dit la même chose. Voilà. Oh non. Absiris à l'arrêt, Quest aussi, Irvio. Speedigus. Alors attention, où est-ce qu'il va sortir Quest? Ouais, ça va être très intéressant de savoir où est-ce qu'il va sortir. Est-ce qu'il va sortir devant Madal? J'ai pas l'impression. Il est derrière. Ouais. Et Madal a pris même une certaine avance. C'est pas fini. Une seconde 5. Quasiment, une seconde 4. Et Issam, il va tout recommencer, Fire derrière Issam. Ouais. Oh, il va tenter sur l'extérieur, ça s'est culotté. Oh, il va le tenter à l'extérieur. Oh, c'est pas assez. Non. Ah, oui. Il va falloir être un peu plus patient. Par contre, je te dis, il n'a pas intérêt à laisser Absiris revenir sur lui hein, non plus. Hein. Alors, et au centre pour Jump Pose et Frandaron. Ouais. Et MT aussi qui s'arrête. MT. 5 secondes de pénalité pour Kizarxis. Oui. Ça, c'est mauvais. Vitesse excessive. Mais tapis verglas. Depuis Verglas également qui rentre. Nebu qui passe premier, qui passe en tête virtuellement. Ah ouais, Madal. 30.4 en jaune. Ça y est, il fait casser les premiers chronos. Ah ouais, chaud. Quest 5ème. À l'heure actuelle, sachant que Léo, Crossmax et Nebu ne sont pas encore arrêtés. En
effet. Mais ce qui est logique, hein, fondamentalement, ils sont partis en jaune. Ouais, Madal qui est passé sur Léo, justement. Passé sur Léo, ouais. On l'a loupé, là. Fire Ghost sur Issam. Fire Ghost est passé. Dans la zone DRS. Joli de Fire Ghost. Maintenant, il doit attaquer. Il doit partir. Partez, monsieur, partez. Échappez-vous. Oh, il a plus de RS. Partez. Il a plus de RS du tout. Il a plus rien. C'est vide. Ouais, West. C'est pas bon, hein, parce qu'il y a la ligne droite qui arrive. West, là, qui est en train de former Léo. Et Issam, il a de l'ERS. Hein. Il a 52% j'ai de vu ça. Je pense que Issam va faire une petite revanche assez rapidement. Ouais, j'ai l'impression. Oh. Ouais, ça va sur l'extérieur. Oh, ouais, ça repasse. Oh, attention, messieurs, on se calme. Oh, Fire qui se défend comme il peut. Oh putain, la sauvette. Il y a Absiris derrière qui klaxonne avec le nécro. Oh lolo. Ah, c'est chaud. C'est très très chaud. Comme un beau chorizo. Alors attention. 5 secondes pour Irvio. Vitesse excessive dans la voie des stands. Mais rendez-vous compte, c'est Roberto qui mène la danse. Virtuellement, ouais. Pour le moment, 3 secondes pour Absiris. Il y a des pénalités là qui ont volé hein, depuis le début de la séance là. Mmh. Fire Ghost, 3 secondes. Ouais, également. On fera penser à faire un petit point péna vers le 20e tour. Ouais, il doit faire attention hein, chez Mirko avec les péna. Ouais, parce que là, Madalgérien, il est limite. Hein. Il faut qu'il gagne encore du temps sur Quest. Hein, Ouais. Une seconde, ça suffira pas. Hein. Non. Quest arrive. Il faut encore que Quest. Quest arrive, il fait déjà coucou dans les rétros de Mad Algérien. Ouais, il est rapide le Quest. Hein. On a probablement notre champion MT qui passe Nécro. Ouh là 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 là. Il est sorti de piste pour rentrer de nouveau dedans, c'était pas très beau à voir. Oh bon? Oh oui. Oula. Il est nerveux notre petit nécromancien, bon. Qu'il se calme, ça va d'aller. Attention, là on a les trois de nouveau là qui se bagarrent là avec Fire Ghost en tête, Absiris en queue de tête. En queue de peloton, pardon. Ça ne bouge pas. Non, pour l'instant, ça bouge pas. Fire Ghost a réussi à récupérer un peu de RS. Un petit peu, hein. Ouais. Bon, c'est toujours mieux que les 6% qu'on a vu avant. Ouais, ça. Crossmax, deuxième, actuellement. Il s'est fait rattraper par Madal. Et il attaque Nebu. Oh la roll, oula, Crossmax il va loin là. Ouais, attention là parce qu'il y a Madal et Quest qui leur arrive dessus à fond la caisse. Oh là là. Ouais, mais Quest il a regagné du terrain sur Madal algérien très rapidement. Ouais. Hein. Il est largement plus à l'aise hein, que Madal là. Hein, Largement, je sais pas, mais il est un petit peu plus rapide en tout cas, une fois que les pneus sont chauds, j'ai l'impression. Ouh, Madal, il a glissé. Il a glissé, chef. Quest qui attaque, Quest qui passe. Oula, ça se touche, je crois. Oui, c'est passé pour Quest. Tapis verglas, 3 secondes. Yep. Ah, c'était prévisible, hein, Quest.
qui passe mal d'Algérien. Hein. Ouais. Ça se voyait hein, qu'il était beaucoup plus rapide hein, autour. Nécro, 3 secondes, ça vole les pénalités, ça s'arrête pas. Mmh. C'est un véritable festival. Et attention, 3 parce secondes que pour Frodaron. Quest, il doit encore passer Roberto. Hein. Apsiris, qui est très très proche d'Issam là. Quest, Nebu, ouais, Nebu qui se fait passer par Quest. Mais là, je veux juste surtout voir Apsiris qui arrive en zone DRS. J'ai eu peur du contact contre Roberto et Madal. Et ouais, je vois qu'il se fait passer là déjà de par deux fois. Alors, arrive au stand pour Léo. Alors, Fire Ghost qui est toujours quatrième. Mais il n'arrive pas à faire le trou sur Issam. Et Issam a de l'ERS, ça marche pour lui. Et pour le moment, je crois qu'il est toujours à l'économie. Et Quest qui va pas tarder à attaquer Crossmax. Apsiris, lui, par contre, il est pas du tout à l'économie. Il est même... en mode agressif. Alors Quest, est-ce qu'il va tenter sur Crossmax là? Il va tenter ici. Crossmax, tu me dis. Oui, il tente et ça passe. Il est passé Quest. Il reprend la première place. Ouais, Crossmax s'arrête au stand. Et Nebu, 5 secondes de péna. Et... Speedigus. Et Kezar 6. Oui, ça passe pour Speedigus. Speedigus dans le top 10. On fait attention parce que... Oula. Kezar... Ça va faire sortir où? Nebu et Crossmax. Ouais, deuxième. Dixième, onzième. Ouais. Il y a un top 10 à chercher, Nebu. Ouais, il peut aller chercher des points, Roberto de la Truelle. L'exercice hein, qui est très très proche de Speedigus. Hein. Il est pas loin, hein, pas du tout. Il peut aller chercher une 8ème place. Mm-hmm. Alors maintenant c'est Madal qui revient sur Quest. Timidement hein. Ouais. Fire Ghost encore en tête là. Je le sens mal. Parce que derrière, Issam est beaucoup à l'économie. Et s'il attaque, il pourra rien faire, je pense, Fire Ghost. Pourtant, il en a RSA 1 quasiment tout le temps. Ouais. Bien, ça attaque un peu plus. Amsi, je pense qu'il a 3 secondes de pénalité, mais Issam, je ne pense pas. Et attention, parce qu'il y a MT qui vient sonner à la porte, là. Eh oui, non, mais MT, il est derrière, ouais. Il va falloir encore quelques tours hein, pour attraper les 3 devant. Mm-hmm. Attention, Amsi qui est très très proche sur Issam. Ils font leur course tous les trois. Et on peut voir que derrière MT pointe son bout de son nez. Il devient menaçant là.
Irvio, 3 secondes. Ouh, là c'est très très proche. Ils se sont rapprochés tous les deux, Issam Messi, Apsiris. Là c'est Fire Ghost, là il doit défendre. L'Algérien qui revient timidement toujours sur Quest. Là ça y est, on arrive dans les zones DRS. Ouais. Apsi a du mal un peu à sortir aussi bien que Issam. Issam il a beaucoup de RS. Hein. Bon Apsiris il a l'air. Non il est trop loin. Léo 3 secondes. Ouh ça sort large pour Issam. Petite faute. Ça va peut-être profiter, ça a l'air de profiter à Apsiris. Ah, il est à côté. Hein, ouais, il est à côté. C'est passé. Ouh, oh, ça sent large. Ouh, attention, le retour de bâton. Ouais, bah, c'est passé. Hein, Issam hein, n'aurait pu faire là, son erreur. Hein, c'est pas passé pour lui. Hein. Ouais. Et là, du coup, oh, bah, ouais. il réattaque. Le RS4, il va repasser sur Apsiris. Non, ça se joue au freinage. Oh, Apsiris, il reste devant. Apsiris reste quatrième. Ouais, joli. Hein. Joli, joli. Et Crossmax qui est passé devant Kezar. Et MT qui arrive juste derrière maintenant. Il est à moins d'une seconde. Ça y est, il rentre dans les zones DRS. Oh là, il va venir se mêler à la bagarre. Ça va être incroyable. Kezar 6 sur son coéquipier. Incroyable. Ah ouais, il y a Franck Daron sur Jump Pause en fin de peloton, effectivement. Jump Pause qui se retrouve 15ème maintenant. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, je l'ai pas vu venir celui-là. Comment il a fait pour être 15ème, Jump Pause? Bah, je sais pas. Je ne sais pas quel rituel vaudou ça a pu se passer, mais... Oui, attention, parce que maintenant c'est Apsi qui a la menace de Fire Ghost. Il move de l'ERS là, Apsiris. Je pense pas qu'il soit en mesure de pouvoir attaquer. Meilleur temps pour Madal. Oh, il n'a pas renoncé, Madal. Non. Il n'a pas renoncé. Il est à une demi-seconde. 0,6. Et attention, Issam avec MT. Alors, est-ce que là, il va y avoir le téléphone de Ferroda qui va fonctionner, qui va dire... Et qui va dire à son pilote de l'XC de laisser passer le Ligue B pour les points. C'est fort probable. Est-ce que le téléphone de Ferroda va fonctionner? Allo Issam. Oui, j'ai bien l'impression. Est-ce que le téléphone du manager Red Bull va fonctionner? Let's pass to MT for the championship. Ouais, let's pass MT for the championship. Issam, can you hear me? Can you confirm you understood the message? Un début qui passe Kezar 6. Ouais, MT aussi qui passe Issam. C'est passé pour Issam. Il y a eu consigne d'équipe, c'est passé. Ouais. Oui, parce que vu là où c'est passé, c'est qu'il y a eu consigne d'équipe. Ouais. Il l'a laissé passer. Bien sûr. Kezar 6 ça ouais, réattaque sur Nebu. Nebu 3 secondes de nouveau. Pourrais-tu faire un petit point Pena, mon cher ami? Moi? Oui, toi. Oh, ça passe de nouveau pour Kezar 6.
Nebu perd sa 10ème place. Alors, collision avec Bébert. Alors, tac tac, terminé. Donc il y a 3 secondes pour Roberto. 3 secondes pour Léo, il y a 3 secondes pour Speedigus, il y a 3 secondes pour Necro, il y a 3 secondes pour Crossmax, il y a 3 secondes pour Madal, il y a 3 secondes pour Tapis Verglas, il y a 6 secondes pour Roberto, il y a 3 secondes pour Frandaron. Il y a 3 secondes pour Apsi, il y a 3 secondes pour Fire Ghost, il y a 9 secondes pour Léo qui passe tapis verglas, la zone DRS. Attention, ça se rebat. Necro il a 6 secondes, Frandaron. Oui, c'est bon. Ouh, attention, ou tapis verglas qui part sur le côté. Il a dû avoir contact. Il revient 3 secondes, Léo il a 6 secondes également. Et Nebu, bah, il a 12 secondes de pénalité déjà, Nebu. Incroyable. Bah c'est parfait. On n'attendait pas moins. Attention, Fire Ghost. Absiris, c'est 3ème. Ouais, incroyable. Il a pas dit son dernier mot, notre ami. J'ai l'impression. Non, je pense que là, la prochaine... Zone DRS, ça va être de l'attaque. Ouais, il va tenter quelque chose. Et Madal qui est revenu dans les échappements de Quest, hein. C'est pas fini, hein. Non, c'est pas fini. Mais je crois que Quest n'a pas de pénalité. Je ne crois pas que Quest a des pénalités. Mais il a plus de RS. Attention là, Fire Ghost, MT, Absiris, vous allez dire qu'on est toujours sur les mêmes, mais en même temps, c'est les mêmes qui se lâchent pas depuis le début de la course. Ah, Mad Algérien a perdu du terrain. Le petit train qui se suit, Léo, 3 secondes. Il en a 9. Les Arcis qui va réattaquer Nebu. Et Fire Ghost qui attaque, Apsi et qui passe, qui reprend la 3ème place, incroyable. Podium repris par le pilote Mercedes. Ouais. Apsiris par contre, ouais, il est pas du tout, il doit être limite niveau essence. Il a plus de RS surtout Apsiris. Ouais, tout a été bouffé. Et il Madal qui est revenu sur Quest. Ouais, mais ça suffit pas, il faut encore les chercher, mais Madal par contre est rempli de RS, hein. Il a les batteries chargées. Alors que Quest lui plutôt est en train de dépenser pour se défendre. Oh là là, et attention parce qu'Apsi retente sur Fire Ghost et ça repart. Et ça repasse. Ça va être la bataille hein, pour le podium là, pour la 3ème place. Ouais, pour l'instant, c'est MT le seul qui a pas de pénalité dans cela. Hein. Ah bah, MT va récupérer alors sa place. Alors, MT a plutôt les batteries chargées. Madal qui repasse là, qui sont en train d'attaquer. Madal, ouais, il passe premier. Il est à la taille, sous côte à côte avec Quest a lâché. Quest l'a laissé passer. Fire Ghost qui repasse sur Apsi. Ouais, il est repassé. Ouh, ça sort très large. Ça sort très large. Attention les deux. Ouh, ya. Et il y a MT derrière qui se frotte les mains, qui se délecte de la bataille entre les deux. Il sait qu'il va en profiter. Sur là parce que Quest il est déjà relégué à une seconde. Oh là là là, Quest, j'espère qu'il n'a pas de dégâts. Non, je pense pas.
Non, j'ai pas l'impression. Non, c'est bon. Ils se sont touchés d'après Vivi. D'accord. Apsiris de nouveau. Oh là là, ça va être la bataille là de nouveau là. Oh, ouh, ça sort très large. Pour Fire Ghost. Oh là là, il a du mal là, Fire Ghost. Hein. Oh là là, il va retenter sur Apsiris à la sortie du virage. Voilà, ils vont tenter un 2, ils vont tenter un 2. Non, 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 il est devant. Oula, c'était limite. Apsiris a très bien réagi. Oh. Ça aurait pu très bien mal se finir cette histoire là. Là, on était à deux doigts d'un. Boel Rouka, c'est devant, mais complètement. Oh là, et Spidigus qui va chercher une 7ème place. Ça va passer. Speedigus 7ème. Il est passé sur Necro. Oh là. Alors que Apsiris et Fire Ghost toujours ensemble. Incroyable. Incroyable le spectacle qu'ils sont en train de nous donner les deux là. Ça va finir par mal finir cette histoire. Ouais, ah, c'est passé pour Fire Ghost. Et Fire Ghost qui est repassé devant. Incroyable. Attention, Frondaron de nouveau 3 secondes. Ça va refaire toute la grille, cette histoire de pénalité. Necro qui repasse sur Speedigus. Ouais. 7ème pour Necro. Et attention là, Speedigus qui a quitté la session. Ah oh, bah super. C'est le dernier tour en plus. C'est complètement bête. Ils vont tous passer devant lui. Attention. Il revient aux 3 secondes. MT qui ne prend aucun risque. Il sait que au jeu des pénalités, il va y gagner. Yep. Crossmax 3 secondes également. Quest 1 seconde 7. Ça y est, Mad Algeria est passé. Quest premier. Quest champion de Ligue B. Quest ouais. Est champion de Ligue B. Ouais. Mad Algérien deuxième. Fire Ghost arrive. Derrière, ils sont à 26 secondes 7 des deux premiers. Oh là. 26 secondes. Ouais, mais en même temps, ils se sont battus toute la course. Hein. Moi, je leur dis bravo. Et on les voit arriver. Issam Messi troisième. C'est Issam Messi. C'est pas MT. Ouais, Fire Ghost 4ème, Apsiris 5ème, 6ème MT, 7ème Crossmax, 8ème Necro, Kezar 6, 9ème Speedigus, 10ème pour le top. Incroyable. 10. Incroyable. Mais c'est et complètement fou. Pour Madal. Apsiris pour Madal. À 1 dixième de Fire Ghost. C'est ouf. Et Speedigus qui va pouvoir récupérer sa voiture, mais il va perdre les points, Speedigus. Bébert arrive. Ah mais non, non, il est dans les points, Speedigus. Il est, il est dans les points, il est dixième. Il est dixième. Il ne manque plus que Irvio. Et en tout cas, félicitations à Quest pour sa victoire. Superbe victoire de Quest. Champion de Ligue B. Ouais. Il aura mérité une constance dans ses courses et dans ses prestations. Vraiment, c'est vraiment mérité. Red Bull, en tout cas. Ouais. Tu peux faire le malin. Regarde voir s'il veut peut-être monter, s'il veut peut-être de dire un mot. C'est bizarre ça, MT n'aurait pas de peine, hein. C'est bizarre ça. Si, MT a des peines, normalement. Non, il a pas de peine. Il a pas de peine, mais il est quand même 6ème. Et Issam Messi 3ème. Mmh. Bizarre ça, hein. On va prendre les screens et on va regarder ça de plus près.
Eh ben soit, est-ce que Quest est là? Regarde voir. Hein? On va voir si Quest peut-être est disponible. Attends. Ouais, je vois pas dans le truc pour voir qui est, s'il a une pena ou pas. Je vois rien là, en tout cas pour MT. Je vois pas de pena. Donc voilà, il faudra regarder ça en après-course. Suite le son. Merci Ferodin. Et bonsoir Quest. Salut. Bonsoir et... Monsieur Quest, félicitations pour votre titre. Et merci, merci messieurs. C'était pas évident. Hein. Non, on a vu que tu t'es battu férocement du début à la fin et d'une constance plutôt. Il a mis à la fin, il a appuyé sur un bouton que je ne connais pas, hein, le party mode, je pense. Parti <Timéda. rire> Eh ben, écoute, en tout cas, toutes nos félicitations hein, à toi. Ouais, merci, c'est gentil. C'est une victoire amplement méritée. Ouais, ah, bah, même Madal était rapide aussi. Ouais, bah, au moins, oui, t'as eu un peu de fil à retordre avec Madal, j'ai rien. Ouais, c'est clair, c'est cool. T'as eu du fil à retordre, mais bon, au final de la saison, bon, faut savoir que t'as fait deux courses de plus. Voilà, clairement il partait avec un gros désavantage quand on regarde le classement. Il avait 19, tu mets 19 points à la première course et t'en mets 12 à la deuxième. Lui il a pas roulé aucune des deux. Ouais, bah c'est ça qui joue aussi. Hein. Donc c'est ça qui fait une grosse différence. Hein. Donc voilà, mais après il sera quand même bien bien remonté dans les derniers GP là. Voilà, bah en tout cas félicitations à toi pour le titre. Merci. Et par contre, il faudra regarder pour toi qui est équipier parce que, évidemment, il y a un truc qui est bizarre. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit dans le vocal, ouais, qu'il y avait un problème. Ouais, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Bon, on a pris les screens au cas où des pénalités, au cas où, si vous en avez besoin. Ok, ça marche. Ça marche, bah merci à vous. Allez, bonne merci soirée à toi. Salut. Bonne soirée, ciao. Et ben, en tout cas, nous, on vous dit. On vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Nous, ça a été un plaisir de commenter cette course. En tout cas, on vous donne rendez-vous dimanche à 17h pour la course ACC à Misano. C'est la première manche du championnat. Ouais, tout à fait. Quelque chose. Et ce sera avec toi, mon cher Coyote. Ça sera avec moi, mon cher Coyote. Et ensuite, bah, le soir même à 20h30, on vous donne rendez-vous pour la course de Liga à Silverstone sur le même circuit. Sur le même circuit, oui. Pour le bal des Liga, sur lesquels on espère, bon, en tout cas, une course aussi disputée que celle-ci. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée. Avec des chronos encore plus impressionnants. Allez, bonsoir à tous. Bonne ciao, fin ciao. De soirée. Ciao. N'oubliez pas de follow à la chaîne. Bye bye.